Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho dans la Nuit sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Mussche au micro. Et je vous accueille cette première nuit de la semaine pour une nouvelle émission Écho dans la Nuit, consacrée ce soir à l'histoire, et plus particulièrement l'histoire de la géologie. Et pour être précis ou précieux, selon, quelques extraits d'un livre sur l'histoire et la composition des pierres précieuses, mais surtout sur leur aspect historique, l'histoire de leur découverte, les anecdotes, ce genre de choses. Je vais commencer avec l'histoire ou des histoires qui tournent autour du diamant. Une pierre précieuse qui est en fait un cristal pur de carbone. Au Moyen-Âge, quand la peste noire ravageait l'Europe, ceux qui avaient les moyens de se l'offrir se saignaient de toutes sortes de gemmes dans l'espoir pathétique que la pureté des cristaux les garderait de l'infecte maladie. Citons le triste sort du pape Clément VII. En 1534, comme il se mourait, les médecins décidèrent de lui administrer de la poudre de gemmes broyées, y compris des diamants. Durant sa dernière nuit, le malheureux pontife dut donc absorber des doses dont la valeur fut estimée à 40 000 ducats, sur quoi il fut miséricordieusement emporté. La gemme, qui a suscité les superstitions les plus tenaces, et peut-être l'extraordinaire diamant qui, jadis, selon la légende, servait d'œil à la statue de la déesse hindoue Sita. Quand la pierre fut volée par un prêtre brahmane, la déesse irritée promit, dit-on, que le malheur s'abattrait sur quiconque dorénavant se parerait de son œil comme d'un bijou. Jean-Baptiste Tavernier, à qui ce diamant de 112 carats en 1642 dans le sud-ouest de l'Inde. Mais il s'en dessaisit avant que la malédiction de Sita se manifestât en le vendant à Louis XIV. Le roi le dénomma le diamant bleu de la couronne et le fit retailler en forme de larme pour le ramener à 67,5 carats. On raconte qu'il ne porta lui-même la pierre maudite qu'une seule fois. Et contracta la petite vérole dont il mourut. Son successeur, Louis XV, s'abstint prudemment de se parer du diamant bleu. Mais Louis XVI, aussi bien que Marie-Antoinette, le portèrent et furent décapités pendant la Révolution. En 1792, au plus fort de l'agitation révolutionnaire, la pierre fut volée au trésor royal et disparut pendant 38 ans. Et en 1830, fut mis en vente à Londres un diamant que son éclat bleu, acier, fut identifié au diamant bleu mais retaillé et pesant à présent 44,5 carats. Il fut acheté pour 90 000 $ par un banquier britannique, collectionneur de pierres précieuses, Henry Thomas Hope, dont il porte désormais le nom. Il ne semble pas que Hope ait souffert d'infortunes notables jusqu'à sa mort, tout à fait naturelle en 1839. Mais en 1890, le diamant échut en héritage à Francis Hope, duc de Newcastle. Par la suite, l'épouse de Lord Hope, une actrice américaine, s'enfuit avec un autre homme, et l'aristocrate lui-même dut bientôt vendre le diamant dans une tentative infructueuse pour éviter la banqueroute. Son infidèle de femme, qui avait souvent porté le joyau, mourut dans la misère à Boston, au début des années 40. Vendu par Lord Hope, le diamant passa de main en main pendant quelques dizaines d'années, au cours desquelles il fut crédité d'un bon nombre de victimes. Un prince d'Europe orientale l'offrit à sa bien-aimée du moment, danseuse ou folie bergère, qu'il tua bientôt d'un coup de feu, dévoré de jalousie. Un joaillier grec, qui venait de revendre le Hope, se jeta d'une falaise en voiture et périt avec sa femme et son enfant. L'acquéreur de la pierre, le sultan turc Abdul Hamid II, n'en jouit que quelques mois avant d'être détrôné par un coup d'État militaire. En 1911, le Hope fut acheté pour 154 000 $ par Evalyn Walsh McLean, fille d'un prospecteur d'or, qui avait trouvé la fortune au Colorado. La belle Evalyn avait épousé le propriétaire du Washington Post et était assez riche pour satisfaire tous ses caprices. Elle se gaussait de la malédiction attachée au diamant, mais elle n'en eut pas moins un fils tué dans un accident d'automobile, une fille victime d'un abus de somnifères et un mari qu'il fallut enfermer dans une clinique psychiatrique. Ces malheurs n'empêchèrent pas Madame McLean de porter fréquemment le diamant, monté en collier avec 62 diamants blancs, même en des occasions fort ordinaires. Elle mourut en 1947 à 61 ans, solitaire et un peu désaxée. Ayant acheté le Hope aux héritiers McLean, le joaillier new-yorkais Harry Winston en fit don à la Smithsonian Institution, où il repose en paix, à présent en compagnie de toute une collection de gemmes royales. Tout au long de l'histoire, les gemmes ont été des emblèmes de souveraineté, non comme simple colis fiché, mais comme symbole de puissance et comme valeur aisément convertible en cas de besoin. C'est donc par une ironie du sort que l'ensemble de pierres précieuses le plus universellement associé à l'image de la royauté n'est jamais en fait appartenu à un souverain. Le collier de la reine, comme on l'appelle, fut au centre d'une stupéfiante escroquerie dont Louis XVI et la frivole Marie-Antoinette furent les victimes, et dont les effets pernicieux n'ont pu que hâter leur rencontre avec la guillotine. Cette intrigue complexe eut un début relativement innocent pendant le règne de Louis XV. Les joailliers de la couronne, Charles-Auguste Brumer et Paul Bassange, décidèrent de réaliser un collier de diamants tel que le monde n'en avait encore jamais vu. Ils ne se doutaient pas que le roi s'empresserait de l'acheter pour l'offrir à sa cupide maîtresse, Madame du Barry. Avec cette spéculation en tête, les joailliers mirent plusieurs années à acquérir quelques-uns des plus beaux diamants du monde et à concevoir et monter leurs chefs-d'œuvre. Pour financer l'entreprise, ils s'endettèrent au point d'hypothéquer leurs maisons et leurs établissements. Et voilà qu'en 1774, alors qu'ils approchaient du terme de leurs efforts, le roi vint à mourir. Cette catastrophe laissa Brumer et Bassange avec un somptueux collier fait de 647 diamants de la plus belle eau et soigneusement appariés, et point d'acheteurs. Naturellement, les joailliers reportèrent leurs espoirs sur le roi Louis XVI, qui avait 24 ans, et sur la reine, qui en avait 23. Ébloui par le collier, Louis XVI était décidé à l'acheter pour l'offrir à Marie-Antoinette, qui venait juste de mettre un enfant au monde. Ce présent semblait parfaitement approprié à une dame dont l'extravagance et l'indiscrétion défrayaient la chronique européenne. Mais par une prudence qui ne lui ressemblait guère, la reine refusa le collier, suggérant au roi, c'est du moins ce qu'affirmèrent par la suite ses défenseurs, qu'il serait plus sage de consacrer cet argent à un nouveau vaisseau de guerre. Pendant des années, Brumer et Bassange harcelèrent Marie-Antoinette pour qu'elle change d'avis. Un jour, Brumer se jeta en larmes aux pieds de la reine. « Madame, sanglota-t-il, je suis ruiné, failli, déshonoré si vous persistez à refuser mon collier. J'irai de ce pas me jeter dans le fleuve. » La reine faisant mine d'approuver cette décision, Brumer n'en fit plus jamais état et le fameux collier resta invendu. On comprend donc le ravissement de nos infortunés joailliers le jour de 1785 où ils reçurent une lettre prometteuse d'une certaine Jeanne de Saint-Rémy-de-Valois, de la Motte, qui, à peine arrivée sur la scène parisienne, passait déjà pour une confidente de la reine. Madame de la Motte les informait qu'un grand seigneur s'intéresserait au collier et les convoquerait sous peu. En réalité, la jeune et séduisante Madame de la Motte s'apprêtait à mettre à exécution le plan audacieux et minutieusement monté d'une escroquerie de dimension historique. Cette fille orpheline d'un baron prodigue, qui en avait été réduit à chaparder des légumes avant de mourir dans un asile parisien, avait acquis un inflexible instinct de survie, tandis qu'elle mendiait dans les rues de Paris, puis comme élève rétive d'un pensionnat de Passy. Selon un observateur de la cour, c'était une femme très ambitieuse et radicalement dépourvue de principes, que rien ne saurait arrêter dans la poursuite de ses fins. Jetée dans une foule d'élégants flagorneurs, propres à rien, intrigants et parasites, elle fit merveille à l'école versaillaise du vice. Le grand seigneur, qu'il avait mis en relation avec les joailliers de la couronne, était prince du sang et cardinal. Louis-René-Édouard de Rohan avait perdu la faveur de Marie-Antoinette et souhaitait passionnément la reconquérir. La jolie Jeanne avait séduit le cardinal, apparemment avec l'accord empressé de son scélérat de mari. Tandis qu'elle partageait le lit du prince, elle œuvrait à le convaincre qu'elle était dans l'intimité de la reine et qu'elle saurait le réintroduire dans ses bonnes grâces. Madame de la Motte emporta la conviction du cardinal et scella son destin par un tour d'une incroyable audace. En explorant avec son mari les bas-fonds de Paris, elle découvrit une prostituée qui offrait quelques ressemblances physiques avec Marie-Antoinette et l'engagea pour rendre un petit service à la reine. Il fut convenu qu'elle accompagnerait le couple à Versailles, revêtirait un costume qui lui remettrait et se tiendrait le visage voilé dans le parc du château pour attendre la venue d'un très grand seigneur. Il s'agissait du cardinal de Rohan, bien sûr. Ce dernier avait été transporté de joie quand Jeanne lui avait annoncé que la reine consentait à lui accorder un rendez-vous secret sous le couvert de l'obscurité. La rencontre ne dura que quelques instants à peine. La fausse Marie-Antoinette se contenta de tendre à Rohan une rose accompagnée de ces mots énigmatiques. Vous savez ce que cela signifie. Le cardinal se jeta alors à ses pieds et elle disparut dans la nuit. Aussi, lorsqu'ensuite Jeanne lui demanda de négocier au nom de la reine l'achat du fabuleux collier, le cardinal abusé accepta-t-il avec empressement. Il se révéla alors un habile négociateur. Sachant persuader les joailliers non seulement de baisser quelque peu leur prix, jusqu'à 1 600 000 francs, mais aussi de lui remettre le collier 6 mois avant le premier versement. Le cardinal confia alors promptement les diamants à Madame de la Motte pour être livrée, du moins le croyait-il, à sa chère Marie-Antoinette. Jeanne et son mari ne perdirent pas une seule minute pour démonter le collier et se partager le butin. S'il fila fort sagement à Londres, Jeanne, avec une témérité bien à elle, resta à Paris. Elle fit monter quelques-uns des diamants bracelets, pendentifs et bagues pour son usage personnel, et avec le produit de la vente d'autres, elle se logea, se vêtit et se meubla luxueusement, se mit à collectionner des jouets mécaniques de prix et parada en ville dans un carrosse parfaitement digne d'une reine. Pendant ce temps, le cardinal de Rohan attendait anxieusement et en vain que la reine lui donnât publiquement quelques marques de gratitude. En outre, les deux joailliers exigèrent bientôt leur argent, et finalement, malgré tous les efforts de Jeanne de la Motte pour ajourner l'échéance, Brumer alla réclamer son dû à Marie-Antoinette elle-même. La savante machination fut immédiatement dévoilée et Louis XVI fut saisi, ainsi qu'il l'écrivit par la suite, d'une juste indignation devant une témérité aussi inouïe, un effort aussi audacieux pour faire commerce d'un nom auguste et une violation aussi impudente du respect dû à la majesté royale. Il était en son pouvoir de faire juger l'affaire à huis clos et d'obtenir la sentence qu'il souhaitait. Il offrit pourtant à Jeanne et au cardinal la possibilité de voir leur procès se dérouler en public. Ce fut une erreur monumentale. De cette tribune, Jeanne de la Motte déversa un torrent d'accusations mensongères, se faisant passer tout au long du procès pour la victime d'une reine cupide et ingrate. L'état des esprits était tel qu'elle fut crue d'une multitude de Français chez qui grondait le mécontentement à l'encontre du régime corrompu et de la reine elle-même, qualifiée déjà couramment de « catin de Versailles ». Les termes mêmes utilisés par les juges ne pouvaient qu'attiser l'incendie qui devait un jour emporter Marie-Antoinette. Le cardinal de Rohan avait été accusé de lèse-majesté pour avoir cru que la reine de France pouvait lui donner rendez-vous dans un fourré obscur des jardins de Versailles. Les juges déclarèrent qu'ils ne pouvaient trouver Rohan coupable de présomption criminelle pour avoir admis cette idée. Étant donné la réputation de frivolité et d'indiscrétion de sa très chrétienne majesté et la succession de ses favoris et de ses favorites de réputation douteuse, il leur paraissait entièrement plausible que le cardinal de Rohan fût de bonne foi. Pour sa part, Jeanne de la Motte fut condamnée à être flagellée et battue, nue, avec des verges, et à être marquée au fer rouge d'un V pour voleuse sur l'épaule et à passer le reste de ses jours à la maison de correction pour femmes de la Salpêtrière. Mais, avant un an révolu, des complices inconnus l'aidèrent à s'évader. Elle s'enfuit à Londres, où son chenapan de mari, ne voulant plus entendre parler de ses sombres machinations, la repoussa. 4 ans plus tard, Madame de la Motte se tua en tombant du haut du 3e étage d'un immeuble londonien. On a supposé qu'elle avait pu y être aidée. Les infortunés souverains ne purent jamais effacer le scandale dont ils avaient été les victimes inconscientes et impuissantes. Et même s'il ne fait aucun doute que le peuple de Paris aurait de toute façon fini par dresser des barricades, la machination de Jeanne de la Motte n'a pu que précipiter l'insurrection. Mirabeau, autorisé s'il en est en la matière en tant que héros de la révolte, qualifia l'affaire du collier de la reine de « prélude à la Révolution ». À l'exception possible de 22 pierres réapparues plus tard dans un collier appartenant au duc de Sutherland et qui ont pu faire partie du collier de la reine, les diamants amoureusement réunis par les joailliers de la couronne de France ont été dispersés à jamais. On a pu estimer cependant que cette collection spectaculaire atteindrait au moins 8 millions de $ sur le marché actuel. Un tel prix rendrait justice non seulement à la valeur intrinsèque des gemmes, mais aussi à leur histoire et à leur légende. Tel étant le cas, il est instructif d'examiner le statut de 2 variétés de gemmes découvertes seulement depuis peu. En juillet 1967, un prospecteur portugais du nom de Manuel Tsuza parcourait la brousse tanzanienne en Afrique orientale. « Je pris à gauche au lieu de prendre à droite, raconte-t-il, et je me suis perdu. Je tombais sur un village Maasai abandonné. Quelques indigènes apparurent et me montrèrent des pierres. Peu intéressé par ce qu'on lui offrait, Tsuza demanda s'il n'y avait rien de mieux à voir. On le mena dans la jungle, où il trouva, détachées sur le sol, des pierres dont la riche couleur bleu hyacinthe le ravit. Il les prit pour des saphirs, mais il s'avéra que c'était de la zoïsite, minéral connu depuis un bon siècle, mais jusque-là seulement dans une variété vert-brun qui ne convenait guère qu'à des cendriers et autres objets souvenirs. Sous sa belle forme bleue, la zoïsite est à présent commercialisée sous le nom de tanzanite, qui rappelle son pays d'origine. La trouvaille de Tsuza ne manqua pas d'attirer en Afrique orientale d'autres prospecteurs, et parmi eux un géologue écossais, Campbell Bridges. Et en cherchant de la tanzanite, Bridges découvrit en 1967 un gisement de pierres dont le vert pur surpassait même celui de la plupart des émeraudes. Tiffany donna à cette gemme, qui est une variété de grenat, le nom de tsavorite, en l'honneur du Tsavo National Park au Kenya. Compte tenu de leur beauté et de leur rareté, la tanzanite et la tsavorite mériteraient d'être vendues fort cher. Or, la tanzanite ne vaut que le 15e environ du prix du saphir, et la tsavorite n'atteint que 500 $ le carat, alors qu'on en donne bien 6000 de l'émeraude. Un tel décalage eût paru tout naturel à Jean-Baptiste Tavernier, qui savait bien qu'une pierre précieuse ne prend vraiment de la valeur que lorsqu'il a accumulé un trésor d'histoire. Écoutez Radio Campus, une émission Écho dans la nuit. Une émission spéciale l'histoire des pierres précieuses. Je rappelle que vous pouvez suivre et commenter l'émission en direct sur la page Facebook en tapant dans le champ de recherche Écho dans la nuit ou en tapant directement l'adresse facebook.com/Écho dans la nuit avec S à Écho. J'enchaîne avec le chapitre 2 du livre Les Pierres Précieuses de la collection La Planète Terre. Intitulé Une alchimie souterraine et racontant l'histoire de Pierre le Cruel. Pierre le Cruel, monarque espagnol du XIVe siècle, était à tout égard une canaille. Il abandonna une épouse au bout de 2 jours de mariage, une autre au bout de 3, assassina de nombreux prêtres et gentilshommes, dont son frère, et se livra à de tels excès que ses sujets se soulevèrent. Chassé de son pays, Pierre gagna Bordeaux où se tenait la cour du redoutable chef de guerre anglais qui était Édouard, le prince noir. Contre la promesse d'importantes richesses en argent et en terre, Pierre obtint d'Édouard qu'il l'aida militairement à reconquérir son trône. En 1367, à la bataille de Najera, Édouard défit proprement une armée commandée par un certain Sanche le Bègue et replaça le roi scélérat sur son trône. Pour sa peine, il reçut de Pierre une seule gemme rouge de 5 cm de long, qui constitue aujourd'hui encore la pièce maîtresse de la couronne royale d'Angleterre et est connue sous le nom de « Rubis du prince noir ». C'est seulement au bout de plusieurs siècles qu'on a découvert que ce rubis n'en était pas un. Ce n'est hélas qu'un morceau de spinel, minéral que l'on confond parfois avec le rubis, mais qui vaut bien moins cher. De telles ressemblances trompeuses sont fréquentes dans la famille des gemmes. Certains grenats rouges, par exemple, se vendent parfois sous la dénomination de rubis du Cap ou rubis d'Arizona. La citrine, variété du minéral le plus commun du monde, le quartz, peut se confondre avec la topaze jaune, qui elle-même ressemble parfois au saphir jaune. En chauffant judicieusement le zircon brunâtre et terne, on parvient à lui conférer presque la majesté du diamant. Et avec le progrès technique, il faut souvent l'habileté et les connaissances d'un expert pour distinguer les vraies gemmes de certaines imitations ou pierres synthétiques. L'identification est donc l'une des missions majeures de la gemmologie, science qui explore bien des chemins mystérieux. Elle spécule sur les zones de chaleur et de pression intense situées à plus de 150 km sous la surface du globe. Or, la pénétration la plus profonde réalisée par l'homme, un forage de recherche effectué par les Soviétiques dans la péninsule de Kola, n'atteint encore qu'une dizaine de kilomètres. Elle recherche l'origine et la nature des grands types de roches dans lesquelles se trouvent les gemmes, analyse la structure chimique et atomique des cristaux et étudie le comportement de la lumière, ainsi que les propriétés des gemmes telles que leur dureté, leur indice de réfraction et leur densité. Ces facteurs contribuent à différencier les gemmes des matières plus plébéiennes, à l'exception de certaines substances précieuses comme la perle, l'ambre, le corail et l'ivoire, d'origine animale. Toutes les gemmes sont des minéraux, mais elles se distinguent de minéraux tels que le mica, la calcite et le gypse par leur rareté, leur pérennité et leur beauté. Certaines gemmes n'ont qu'une ou deux de ces qualités, d'autres comme le diamant, possèdent les 3 surabondamment. Ce sont les plus prisés. La fascination pour les belles pierres a suscité depuis l'aube de la civilisation de nombreuses théories quant à leur origine, jusqu'à l'idée bizarre de leur reproduction sexuée. La recherche scientifique a dissipé la plupart des mythes et on admet maintenant que les pierres gemmes résultent de circonstances exceptionnelles survenant dans et sous la croûte terrestre. Les conditions nécessaires varient amplement d'un type de gemme à l'autre. mais presque toutes impliquent que certains éléments constitutifs de la Terre se combinent dans des proportions précises et soient soumis à des pressions et à des températures considérables avant de se refroidir et de se solidifier à la vitesse voulue et sur une période de temps bien précise. Les chances pour que toutes ces conditions soient réunies sont très faibles, d'où la rareté relative des pierres précieuses. Si certains principes de la formation des gemmes se laissent déduire avec une relative certitude, il reste à expliquer une infinité de détails. Le diamant, par exemple, la pierre qui suscite le plus de curiosité, reste aussi la plus rétive à livrer le secret de sa conception. À l'origine, le diamant, un cristal de carbone pur, est la gemme dont le gîte est le plus profond. Sa formation débute entre 140 et 190 km de profondeur, dans la partie supérieure du manteau. Cette couche de 3000 km d'épaisseur située entre l'extérieur en fusion du noyau et la croûte rocheuse solide. Le manteau supérieur consiste, pense-t-on, en roches lourdes, riches en fer et en magnésium, en particulier la péridotite noire à gros grains entremêlée fréquemment de roches en fusion, le magma. Mais les géologues ne s'accordent que sur les grandes lignes des processus qui ont permis la genèse du diamant et son transport à la surface. Les tentatives pour synthétiser le diamant en laboratoire ont montré que des températures d'au moins 1500 degrés Celsius et des pressions de 65 000 atmosphères étaient nécessaires pour obtenir une cristallisation aussi parfaite des atomes de carbone. On convient également que les diamants gisent principalement dans ce qu'on appelle des pipes, étroites formations volcaniques en forme de clous, dont les roches ont été entraînées sur des kilomètres à travers la croûte terrestre, depuis le manteau supérieur jusqu'à la surface, au cours de très anciennes éruptions volcaniques. Si la genèse des diamants reste mystérieuse, leur gîte à la surface de la Terre est bien connue. Ce sont les dépôts de kimberlite, roche qui porte le nom de la ville sud-africaine de Kimberley, où elle a été identifiée en 1880. Ce plum pudding géologique, ainsi qu'on l'a décrit, est le produit hétérogène d'une histoire chaotique. Là, c'est la roche qui a fusé du manteau vers la surface par les pipes. Outre du magma solidifié de divers types, elle contient des fragments de roches ramassés au cours de son voyage tumultueux et porte des traces d'oxydation et de contact avec l'eau. Repérée en Afrique, au Brésil, en Inde, en Australie, en Amérique du Nord et en Sibérie, les dépôts de kimberlite ne se trouvent que dans les régions continentales les plus anciennes et les plus stables, loin des zones agitées où les plaques rigides de la croûte terrestre s'écartent, se heurtent ou se broient l'une l'autre. Ces boucliers continentaux constituent les parties les plus épaisses de la croûte et leur poids engendre les énormes pressions nécessaires à la formation de diamants au sommet du manteau. On ignore la nature précise des forces qui, depuis le manteau, injectent la kimberlite à travers près de 40 km de croûte terrestre. Mais on pense que leur source probable réside dans les poches de gaz sous pression et surchauffées, tels que vapeur d'eau ou oxyde de carbone. Les minces colonnes de magma ayant ainsi fusé ont pu exploiter les zones de faiblesse de la croûte engendrées par les tensions dues à des processus tectoniques survenus ailleurs. Bien des dépôts de kimberlite datent de la période située entre moins 70 et moins 150 millions d'années et marquée par les bouleversements associés à la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique jusque-là soudée. Mais on a aussi relevé des dépôts vieux de plus d'un milliard d'années. L'étude des cristaux. Ce mot dérivé du grec kristallos, lui-même issu de krios, glacé, traduit l'ancienne croyance que les cristaux de quartz étaient de l'eau définitivement gelée en pierre. Constitue une science difficile. L'un de ses fondateurs, Nicolas Steno, géologue et prêtre catholique danois, formula au XVIIe siècle la loi dite de constance des angles interfaciaux. Celle-ci établit que dans tous les cristaux d'un minéral donné, les angles entre ensembles correspondants de surface externe ou face sont toujours les mêmes. Autrement dit, les cristaux de quartz, sur lesquels Steno fit ses expériences, peuvent être de dimensions énormes ou microscopiques, peuvent revêtir des formes très variées et provenir d'un quelconque point du globe, mais les angles formés par des paires de faces équivalentes sont égaux. La découverte de Steno révélait l'ordre sous-jacent à la multitude des formes de cristaux. Elle fut approfondie considérablement au début du XIXe siècle par l'abbé René-Juste Aouy, professeur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, chanoine honoraire de Notre-Dame et volontiers poète à ses heures. Évoquant le monde des minéraux, il qualifia les cristaux de « fleurs de royaume ». Un jour, de la fin du XVIIIe siècle, à ce que dit l'histoire, Howe examinait chez un ami un échantillon de calcite, quand, à sa grande confusion, il le laissa tomber. Ramassant les morceaux, il constata que tous, petits ou grands, avaient la même forme. Transporté par la révélation, Howe s'écria « Tout est trouvé !» et se précipita vers son laboratoire. Là, il se mit à briser des morceaux de calcite, et il constata que les fragments, même de la dimension d'un grain de sable, avaient la forme d'un rhomboèdre solide dont les six faces et les arêtes avaient la même longueur, comme un cube, mais chaque face étant un losange. Howick en conclut que les unités les plus petites de la calcite devaient également être rhomboédriques. Et il inféra que les cristaux de tout autre minéral étaient également constitués d'éléments minuscules et invisibles, de formes caractéristiques. Pour expliquer que les cristaux d'un même minéral puissent revêtir des formes diverses malgré leur similitude interne, Howe fit le raisonnement suivant. Sur certaines faces du cristal, les unités microscopiques ne sont pas disposées en couches régulières, mais comme d'infimes marches d'escalier, déterminant un plan qui recoupe la structure cristalline, de la même façon que la pente oblique d'une pyramide égyptienne fait un angle avec les faces des blocs rectangulaires dont elle est édifiée. Les blocs sont si petits en proportion de l'édifice que la pente paraît régulière. Cependant, se dit Howe, la forme du cristal doit être en relation avec celle de ses unités constitutives, quelles que soient les différences apparentes, car il n'y a que peu d'inclinaisons qui puissent recouper franchement le dispositif des unités indivisibles. Le flanc de notre pyramide doit être incliné selon un rapport simple en termes de blocs, montant à raison d'une unité tous les deux blocs par exemple. Howe énonça cette idée dans ce qui devint la loi de Howe. Elle permet d'identifier l'unité élémentaire d'un cristal à partir des angles que font ses faces avec des axes internes imaginaires. Une antique légende birmane parle d'un aigle géant s'élevant au-dessus de la vallée de Mogok en quête de nourriture. L'aigle aperçut bien loin, sous lui, ce qui lui parut être de la viande crue, de la couleur du sang le plus vif, le plus pur. Fondant jusqu'à la terre, l'aigle voulut planter ses serres dans cette chose, mais la surface dure comme le roc résista à ses efforts passionnés. C'est seulement quand l'aigle eut reconnu la pierre rouge sacrée, créée avec le feu et le sang de la terre, qu'il l'eut approchée avec respect et révérence, qu'il put la saisir et regagner son air. Vous avez entendu pendant la plus grande partie de cette émission des extraits du livre Les Pierres Précieuses de la collection La Planète Terre. Il s'agit d'un livre du début des années 80. Mais qui garde tout son intérêt, surtout vu les images, on ne passe pas bien à la radio, mais dont je posterai les références tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission Écho dans la Nuit. Je vais terminer cette émission avec la lecture de quelques pensées du livre de Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. L'âme existe-t-elle? Pour comprendre cette question de la mort, nous devons donc nous débarrasser de la peur qui invente toutes les théories diverses liées à l'immortalité ou à la réincarnation. Nous disons donc, les orientaux disent, qu'il y a la réincarnation, une renaissance, un renouveau perpétuel, se poursuivant sans fin, qu'il y a l'âme réelle ou prétendue. Maintenant, écoutez attentivement. L'âme a-t-elle une existence réelle? Nous nous plaisons à croire en ce quelque chose qui est l'âme. Nous l'avons placée au-delà de la pensée, au-delà des mots, toujours au-delà. Ce quelque chose est éternel, spirituel. Il ne mourra jamais. Voilà pourquoi la pensée s'y accroche. Mais existe-t-elle vraiment, cette âme ? Cette chose, au-delà du temps, au-delà de la pensée, cette chose qui n'est pas une invention de l'homme, qui transcende la nature humaine, cette chose qui n'est pas une élaboration de l'esprit roué, existe-t-elle? Car l'esprit ne voit rien, car l'esprit ne voit dans la vie qu'incertitude et confusion immense, et rien de permanent, rien. Vos liens avec votre femme ou votre mari, vos liens avec votre travail, rien n'a de permanence. Et c'est ainsi que l'esprit invente ce quelque chose qui est permanent et qu'il appelle l'âme. Mais puisque celle-ci est concevable par l'esprit, concevable par la pensée, c'est bien entendu qu'elle reste toujours inscrite dans le périmètre du temps. Si je peux concevoir quelque chose, c'est qu'elle fait partie de ma pensée. Or, ma pensée est le résultat du temps, de l'expérience, du savoir. L'âme reste donc confinée dans les limites du temps. La notion de continuité d'une âme, destinée à renaître encore et sans fin, n'a donc pas le moindre sens, parce que ce n'est qu'une invention née d'un esprit qui a peur, qui veut perdurer, qui cherche dans la permanence un recours de durée et qui a besoin de certitude. Parce qu'en elle est l'espérance. Qu'entend-on par karma ? Le karma sous-entend, n'est-il pas vrai, la notion de cause et d'effet. L'action fondée sur une cause, donnant lieu à un certain résultat, l'action née du conditionnement produisant de nouveaux effets. Le karma implique donc la loi de cause à effet. La cause et l'effet sont-ils donc statiques, définitivement figés? L'effet ne devient-il pas à son tour une cause? Il n'y a donc pas de cause fixe ni d'effet fixe. Aujourd'hui est le résultat d'hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui est la suite logique d'hier, tant chronologiquement que psychologiquement. Et aujourd'hui est la cause de demain. La cause est donc effet, et l'effet devient cause. C'est un mouvement continu, sans cause fixe ni effet fixe. S'il y avait une cause fixe et un effet fixe, il y aurait une spécialisation, et la spécialisation n'est-elle pas la mort? Toute espèce qui se spécialise finit par disparaître, c'est une évidence. La grandeur de l'homme, c'est qu'il ne peut pas se spécialiser. Certes, il peut se spécialiser techniquement, mais dans sa structure, c'est impossible. C'est impossible. Un gland est une semence spécialisée, qui ne peut être rien d'autre que ce qu'elle est. Mais l'être humain n'est pas définitivement achevé. Il n'est pas limité par la spécialisation, et par conséquent, un renouvellement constant lui est possible. Tant que nous considérerons la cause, l'arrière-plan, le conditionnement, comme étant sans lien avec l'effet, il y aura forcément conflit entre la pensée et cet arrière-plan. Le problème est donc beaucoup plus complexe que celui de savoir s'il faut croire ou non à la réincarnation, car la question est de savoir comment agir, et non s'il faut croire à la réincarnation ou au karma, deux notions qui sont absolument hors de propos. Une action fondée sur l'idée. L'action peut-elle jamais nous libérer de cet enchaînement de causes et d'effets? J'ai fait certaines choses dans le passé, j'ai vécu des expériences, et tout cela conditionne évidemment mon mode de réponse actuel. Or, la réponse d'hier conditionne celle de demain. C'est tout le processus du karma, la cause et l'effet, et de toute évidence, ce mécanisme de cause et d'effet, même s'il est susceptible d'être une source momentanée de plaisir, mène en fin de compte à la douleur. Le véritable nœud de la question est le suivant. La pensée peut-elle être libre? Toute pensée, toute action vraiment libre n'est ni cause de douleur, ni source de conditionnement. Tel est le point crucial de toute cette question. Peut-il donc y avoir une action qui soit sans aucune connexion avec le passé? Peut-il y avoir une action qui ne soit pas fondée sur l'idée? L'idée, c'est la continuation d'hier sous une forme modifiée, et cette continuation va conditionner demain, ce qui signifie que toute action fondée sur l'idée ne peut jamais être libre. Tant que l'action aura pour fondement l'idée, il engendrera inévitablement des conflits ultérieurs. Peut-il exister une action déconnectée du passé? Une action qui ne soit pas plombée par le fardeau de l'expérience, par le savoir d'hier. Tant que l'action est le fruit du passé, elle ne peut jamais être libre. Or, ce n'est que dans la liberté que l'on peut découvrir la vérité. Ce qui se passe en fait, c'est que l'esprit n'étant pas libre, ne peut pas agir. Il ne peut que réagir, et c'est la réaction qui est la base de nos actions. Nos actions, loin d'être des actions, ne sont que le prolongement de réactions, car elles sont l'expression de la mémoire, de l'expérience, des réponses d'hier. La question qui se pose est donc celle-ci. L'esprit peut-il se libérer de son conditionnement? Il est minuit 59 sur Radio Campus, l'émission Écho dans la nuit de ce début de semaine du 17 novembre se termine. Avec un live mix atmosphérique que je vous concocte suite à la lecture de quelques pensées de Krishnamurti. J'espère que vous avez apprécié cette émission un peu spéciale. La semaine prochaine, je ferai un retour en force côté littérature. Je vous dis donc à dimanche soir minuit. Je vous souhaite une excellente semaine très productive et une très belle nuit, plein de rêves fascinants.